Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de Need for Speed Most Wanted. Et encore une fois, regardez cette magnifique voiture, cette coupe. Oh là là, non mais allez. Non, on va éviter, j'ai pas envie d'aller au garage derrière pour changer les pneus. Bon, plus je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'étais surpris. Donc, on attaque le nouveau Most Wanted. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup à avoir répondu pour la nouvelle voiture qu'on prendrait. Donc en fait, j'ai tout simplement décidé de prendre la Pagani, qui est une voiture qui... Putain de classe, bordel de merde. Non. Alors, alors attendez, Most Wanted. Et on approche tellement de la fin. Ouh, y a un accident. Magnifique. Oh, il est pas très loin. Allez, constat à l'amiable. Oh, c'est con, hein. Allez, à plus. Alors. Pagani est une voiture quand même qui se défend plutôt pas mal. Oh bah... C'est cool. Attends, c'est cool. Alors attends. Transmission. Et ben voilà, bam, allez, pro. Ah, et comme je compte me prendre le DLC décollage là. Je sais même plus si ça s'appelle comme ça le machin. Je sais pas s'il faudrait le faire en vidéo ou qu'au moins je le fasse tout seul en off, en live, un truc comme ça. Je sais pas. C'est à voir. Il y a même le DLC Heroes qui a l'air pas mal, puisque dedans il y a la, il me semble, la BMW du premier Need for Speed Most Wanted. Truc de dingue. Allez, c'est parti, let's go. Hmm, 2020. Oh, ça passe. Oh, j'ai cru qu'elle allait me faire un takedown vertical. Même si s'y est pas. On sait jamais. Boum, takedown. Pas fait exprès. Excuse-moi. Ouh, je crois que j'aurais dû prendre les pneus autogonflants. Je sais pas pourquoi. Ah, elle se défend. En 50, les pilotes s'est craché. Mais justement, il s'est craché, pourquoi il revient? Leader sur le secondaire, renfort demandé. Putain, un jour ils font un mode de jeu dans les Need for Speed, mort subite. Dès que tu te crashes, t'es éjecté de la partie. Même si je pense que ça existe déjà. Accélération de cette voiture. Ah, elle veut me tuer. Pas trop compris. Mais c'était bien pour moi. Allez, toujours plus vite. Mais le pic d'accélération de cette voiture.
Enfin, faut la rattraper là. C'est une urgence. Ah, trop tard. What? Ah non 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 non. J'ai bien regardé. J'ai bien regardé la route. Il n'y avait pas de herse. Donc quelqu'un a saboté mes pneus. Ah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Faites attention, j'ai tout filmé. On va essayer. On va pas être d'accord, Yay. On va pas être d'accord du tout. On va essayer l'épreuve, oui. Je vais me pointer devant le patron d'Yay là avec ma petite clé USB. Regardez ça! Oh là là, bon allez. Et là. Oh là là, dommage, j'ai été trop gourmand. Faut la jouer safe au début. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attention au virage, il y a du trafic. What? Au secours! Le jeu veut me tuer. Ah, la pagaille. Ah, hey, fuck. Dis-moi que ça va me remettre mes pneus. Non. Est-ce qu'il y a un DLC pour remettre les pneus? Au secours! Je crois qu'il y a... J'ai perdu du temps, mais au moins, j'ai mes pneus. Maintenant, l'idée, c'est de les garder, en fait. Boum, par l'intérieur. Ah, dommage. Ce serait pas mal de réussir quand même au bout d'un moment. Oh la herse. Oh non. Non, c'est bon. On peut se rattraper. C'est assez sympa de leur part. Attention, voiture civile. Roule, 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 faut pas qu'elle te rattrape. Magnifique. Je tue. J'aime pas trop l'avant de la Pagani quand même. C'est comme les femmes. Que ce soit l'avant ou l'arrière. Je vais me faire taper dessus. Oh! Et maintenant je me casse. What the fuck? Attends, stop. On est où? C'est à l'aéroport, c'est ça? Ah, ok, ouais, DLC. J'aime bien parce que le truc en fait est dans ton jeu. Il faut que tu payes pour le débloquer. Ce qui est complètement dégueulasse. On va se mettre d'accord tout de suite, c'est complètement dégueulasse. Parce qu'il est dans ton jeu, tu l'as téléchargé, il est là. C'est ça le truc. Mais non. Et attends.
Je peux pas monter dedans là comme ça direct là. Y a personne dedans. Si, il est là. Regardez-le. Il est là, là, tranquille. Hey, Billy. Ma voiture est plus longue que la tienne. À pas sortir son contexte. Bon, on va aller la chercher. Même si elle était à côté. Voiture. On est sur une panisse vers le bas. Voilà. Je sais pas. Non, on va faire la route tranquille. Ça veut dire que là on va attaquer, dès qu'on montera dans la Pagani, l'amélioration de cette dernière voiture. Attends, stop. Je fais du repérage de DLC là. Et là on parle quand même d'une voiture que j'affectionne pas mal. Conçue pour le drift. Ouais. 350Z. Et c'est quel DLC en veux-tu là? Je sais pas. 350Z qui est l'héritière directe de la Nissan 240, il me semble. Qui elle aussi a été conçue pour le drift. Comme les. Comme les maintenant aujourd'hui la 370Z. Et aussi les Skyline qui elles aussi ont été conçues. Bon, elles par contre, elles ont été vraiment conçues pour le tuning et le drift. La GTR aussi, hein, faut pas croire, ça reste une Skyline, donc elle est aussi conçue pour le drift. Même si on dit que les voitures sont conçues pour le drift, mais en réalité, il faudrait faire quelques réglages. Parce que drifter, ça se fait pas comme ça, les gens, faut pas croire que tu puisses prendre une voiture et commencer à drifter. Non. Ton drift, c'est dégueulasse. Les pneus, faut les orienter, faut les régler, c'est précis. Et là, tu peux commencer à drifter. D'ailleurs, j'ai vu des projets pour une nouvelle Nissan GTR, un design complètement différent. J'espère que c'est une blague parce que j'ai vu le design, c'est bizarre. Tu me diras, c'est chinois. Bam. Voilà, trop de vitesse. Ah, elle était derrière la voiture. Ok, comment je fais pour aller la voir? Par où tu peux descendre, hein? En marche arrière qu'on le fait. On est comme ça, nous. Hop. Salut. PS, le logo de la marque est très hideux. On dirait le ceinturon d'une ceinture. Hein. Si ça se dit comme ça. Allez hop. Et ben voilà. J'ai envie de voir, gris. Ouais, elle a quand même de la classe comme voiture. Oh! Ah oui! Oh, c'est classe comme ça! C'est hyper classe! Donc, voyons voir combien de temps on est pour cet épisode. 14. On a le temps de faire une course! Et de la gagner! Si possible. J'espère. On a déjà vu cette intro. Et elle fait gerber. Ouais. Je vois qu'elle est coursée. Tiens, une Lamborghini. Il y a pas si longtemps, j'étais dedans. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de trop. Bon. On va faire 100. C'est pas comme si j'avais le choix.
Ouais, par contre, la Lambo, elle prenait mieux le virage que ça, si tu vois ce que je veux dire. Par là, c'est ce qu'on avait remarqué. Oh non, je suis dégueu. J'ai même pas de turbo. Pas de nitro. Techniquement, c'est plus correct. Oh non, mais allez! Au secours! Putain, mais le dessous des voitures est super mal foutu! Oh non, 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 non! Putain, ils ont appris à faire des barrages entre temps. Merde! Pas cool! Ah! Et je vais me faire arrêter si ça continue comme ça. C'est la marche arrière de la survie! Oula. Ah! Et je tombe des trucs, hein. Ça, je pense qu'on peut le dire. Central, le code 3 a pris le large. Il faut établir un périmètre et trouver des unités. Ça passe nickel. Toutes les unités, lancez la recherche dans le périmètre de poursuite, à vous. Gardez-le sous pression. Oh merde. Oh non. Non, mais allez. Je pensais que t'étais une vraie voiture, moi. Allez! Il sera plus rapide. Oh fuck. On peut pas se planquer. Non. J'étais caché. Mon plan était pourtant parfait.
Non. Oh, j'avais pas remarqué les couleurs de l'Italie sur le rétro. Ok. Oh, ça c'est trop bien ça. Ça c'est énorme. Allez, fonce. Ah, ils me suivent bien. Ils me suivent bien. Mais écoute, j'espère qu'ils vont continuer. Voilà. Oula. Derrière. Oh, il a fait demi-tour le flic devant. Ah, mais il y a un tunnel là. Ça me planquerait le tunnel. Il m'a pas vu. Excellent. Non mais c'est de survie. À toutes les unités, les interventions sont trop lentes. Il manque d'infos. Les unités peuvent paquer. Autorité de signaler toute. Il faut être malin. Centrale pour confirmation. Personne n'a visuel. Qu'est-ce qu'il faut être malin. Donc en tout cas tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi lequel des DLC de Need for Speed Most Wanted est le plus intéressant. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé par du Project Car ou du Dirt Rally ou d'autres jeux. Hein. Voilà quoi, il y a de plus en plus de jeux de voitures qui sortent, ça va être assez intéressant. Allez, moi je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Take my We'll be right back.